La formation professionnelle des personnels ingénieurs techniques de recherche et formation, les ITRF, est une nécessité permanente dans le cadre de sa carrière, puisque cette formation, elle est rendue incontournable et nécessaire par l'évolution des métiers. Il ne faut pas oublier que ces personnels exercent des formations qui sont souvent très pointues dans les établissements et que, bien entendu, tous ces métiers évoluent. Souvent très rapidement, on imaginera aisément la carrière d'un informaticien. L'informatique est un secteur qui évolue très très rapidement. Les métiers liés à l'informatique doivent évoluer. Donc la formation professionnelle, elle est essentielle, elle est prévue, elle est organisée et elle est particulièrement recommandée dans des secteurs très pointus. Je vais vous citer par exemple la situation de cette personne recrutée en tant qu'ingénieur d'études dans une université scientifique et qui a été recrutée parce que sa spécificité était d'être souffleur de verre et que l'établissement, par ses activités liées notamment à la parfumerie et à la cosmétique, avait besoin d'une personne pouvant gérer et renouveler le stock de tous les ustensiles nécessaires donc à la formation et à la préparation en physique et chimie liées à ces métiers. Et vous imaginez qu'effectivement, ce métier très pointu devait être lié et extrêmement attentif à toute l'évolution des techniques. Et donc la formation professionnelle dans un secteur comme celui-là, comme dans les autres, est indispensable. Et c'est donc une des caractéristiques de ces métiers que d'évoluer en permanence. Et du coup, un personnel de cette catégorie et de ce corps de fonctionnaires doit évoluer par la mobilité et aussi par la formation professionnelle.